Bon bah bonsoir à tous. Alors on lance ce soir le premier streaming de notre télévision. Tout ça préparé par Antoine. Et nous allons avoir un match entre l'équipe Speed, qui a un très bon niveau, et l'équipe DMK. Ce sont toujours des tours de chauffe, hein. Ils prennent connaissance du circuit, quoi qu'ils le connaissent tous, ils l'ont déjà roulé. Bien traîné. Alors c'est vrai que ce sont des maps qui sont quand même un caractère assez difficile, pas facile pour du round. Map très technique. L'erreur pardonne pas. Alors sur cette première map, pour les DMK, nous aurons David, Kakaro, Knight, Emmerich 29, et le cinquième, je verrai ça tout à l'heure, Max Payne, ouais, Max Payne. Pour les speed, nous aurons KFUX, RIT, Étoile, Ronnie. Les Speed et DMK sont deux équipes qui se sont qualifiées dans le premier groupe et qui vont avoir fort à faire parce qu'il y a vraiment du lourd. Mais ils ont fait de leur mieux pour être qualifiés dans ce premier groupe. Alors, même s'ils savent qu'il y a des équipes inaccessibles. Microphone activated.
je pense que c'est mon ami Antoine qui va me rejoindre. Tu sais le mot de passe, Antoine? Voilà, c'est nettement, voilà, ça va mieux. J'avais un problème, excusez-moi, j'avais un problème d'ordinateur, je voyais absolument pas ce qui se passait et je pouvais rien commenter. Voilà, donc là je suis sur le jeu. Alors je vais essayer de savoir où ils en sont. Déjà si ça a commencé ou pas. Oula. Apparemment, ça aurait l'air d'avoir commencé. 4 DMK qui étaient devant. Ce qui ferait apparemment 5 à 1 si le match a commencé, bien sûr. C'est bon, je suis là, Titi. Ah bien, salut Antoine. Donc le match a bien commencé, il y a 5 à 1, t'inquiète pas. Ah, j'étais inquiet parce que je voyais rien du tout. Ouais, bah c'est normal en même temps, c'est... 5 à 1, bien sûr, pour les DMK. Ah bah. On va donner une précision. Hein. Normal, hein. Écoute. Pour l'instant, David qui prend les devants. Ça se passe bien. Avec Max Payne. Ouais, très gros rouleur ce Spain. Qui fait la compète avec nous d'ailleurs, juste pour la DC. On va essayer de le garder. Ce serait on va mieux, essayer de recruter un petit peu de monde. On est parlé avec lui, il va en parler aux 2-3 personnes qui sont avec lui dans la team qu'ils ont essayé de monter.
On verra bien. Alors pour l'instant, nous avons toujours Akaifux qui est un très bon rouleur aussi. Akaifux qui sera en tête là. À la bagarre avec Spain. Et c'est Spain et David derrière, on a Black Knight qui arrive. Étoile, quatrième. Spain, David, Akaifux. Ils ont une très bonne régu d'ailleurs, Spain et David. Ah, ça a traîné. Hein. Les sous j'ai vu toute la semaine, c'était vraiment. Je voyais les temps qui s'amélioraient. Vraiment de bon temps. Donc maintenant 6 à 1 pour les DMK, la map se joue en 7 points sur 2 maps. Voilà. Apparemment hier, il y a eu des soucis par rapport au réglage de points. Mais vraiment toutes les équipes sont soucis. Ouais, sur certains matchs, c'était un peu la panique hier. Donc on a fait une relance à tous les capitaines d'équipe qui règlent bien les serveurs. Pour l'instant, Knight qui est devant à la bataille avec Akaifux. Ah non, c'est Max Payne qui est devant. C'est Spain qui est devant. Oui, il était caché. Akaifux qui lâche rien. Emmerich qui essaie de remonter derrière. Étoile qui vient de se vautrer. Emmerich qui vient de toucher dans la montée. Une jolie petite bagarre là pour les 4 premières places. Et Kritz qui est derrière. Et Kakaro qui revient en trombe et qui touche et ça passera pas. Ah bah ça va être un point encore pour les DMK. Voilà, première map pour les DMK. Pour l'instant, score 7-1 normalement. Si tout va bien. Attention. Étoile qui finit tant bien que mal, voilà, ça y est, c'est fait. Donc voilà, 7-1. Première map pour les DMK. Joli klaxon d'ailleurs. Alors pour la deuxième map, on devrait voir rentrer Tico normalement. Epsilon. Du côté des DMK. Epsilon ancien SDR d'ailleurs. Les SDR ils ont joué ou ils jouent tout à l'heure? Les SDR ils jouent ce soir. Il y a beaucoup de matchs ce soir. Et on verra tout à l'heure si on fera un match à 21h. On pourra voir. Ah, cette map est très... Le départ est assez très difficile. Technique, très technique. Si on loupe le départ, c'est même pas la peine. Je crois que je l'ai même pas fini une fois. J'ai dû la finir avec un temps minable. Touchant de partout. Oh là là. L'arrivée surtout est aussi très dangereuse et il peut y avoir de jolis retournements vers la fin. Avec le passage dans une petite tente, vous allez voir. Voilà la fin entre une toute petite tente. Il faut essayer de trouver bien l'espace et si on touche, c'est un stop and go. Et qui dit stop and go dit perte de place, donc perte de points. Hop, Akaifux qui est pas passé. Alors, deuxième échauffement. Donc, normalement, la line-up pour les speeds sera Étoile, Akaifux, Wood, Ronnie et Ritz. Pour les DMK, Tico, David, Kakaro, Spain et Epsilon. Nous avons deux pilotes qui jouent, même trois je crois, qui jouent en équipe suisse d'ailleurs, hein, chez DMK, David. David, oui. On a Wood chez les Speed, qui est en équipe suisse aussi, et je crois, si je ne me trompe pas, j'aurais pas dire de bêtises, il y en a un troisième, mais je ne me rappelle plus lequel.
n'hésitez pas aussi sur Twitch à parler dans le chat, poser vos questions, on y répondra. Je suis dessus. Donc le deuxième round va commencer. On leur souhaite bonne chance. Mon clavier répond plus. Ah si. C'est parti. Deuxième map. Pico, David, Kakaro, Epsilon, c'est ça, ouais. C'est parti pour la deuxième map. Toujours à la tête, KFUX et Spain qui se tirent une bourre acharnée. Je les vois même plus parce que tellement ils sont collés. Ouais. Spain qui a l'avantage, KFUX étoile qui est derrière. C'est bien KFUX qui doit être troisième. C'est Epsilon troisième, ou David. KFUX, on essaie de trouver KFUX. KFUX qui est juste derrière ce petit. Étoile qui nous fait un bon run là, bravo. En train de passer bien. David qui remonte. Normalement, ce sera un Spain qui va chercher mais qui prend. Ouh, c'est Étoile qui finit premier. C'est moi aussi exactement en même temps. Les rouges qui remportent. L'ADM qui remporte ce. Je crois qu'ils ont fait exactement en même temps. 55-898, je crois. Ouais. 55-898, tous les deux. Très belle bataille. Ben qui va chercher la fin carrément sur la gauche. Il a, c'est bizarre comme il fait. Il a une trajectoire. David qui va pas s'en laisser compter et qui va vouloir se mettre aux avant-postes, je pense, parce que c'est quand même un très bon joueur. Voilà, il prend la première place. Une petite touchette de la roue arrière gauche. Epsilon qui est un peu distancé. Tico qui est juste derrière le petit groupe de tête. Groupe de tête dominé par KFUX et Kakaro. Oui, ah là, les deux speeds sont bien. Ah, il y en a un qui a accroché. Ils ont pris tous les risques. David qui se bat bien contre Ritz. Pour la première place. Si tout va bien, normalement Ritz va prendre la première position. Là. Et ben ouais, non, j'avais, Ritz... j'avais vu qu'il passerait pas. Il a fait un. Un droit de gauche inutile. Il voulait prendre de la vitesse, il s'est pris carrément l'obstacle. Et toujours KFUX qui est parmi les premiers, un très très bon rouleur. Hein. Très très bonne régulière. Régulier. Traîne son équipe. Alors oui tiens Titi, j'ai vu que sur certains sur les forums posaient des questions et s'interrogeaient pourquoi donner que 6 points au. Donner 6 points pardon. Donner des points aux 6 premiers de chaque run. Oui, c'est un système qu'on a fait pour permettre à 10 personnes de jouer tout en gardant en attribuant des points qu'aux 6 premiers. Quoi. C'est un système qu'on a voulu faire. Au moins, je vois pas dans toutes les compètes. Voilà. On a voulu innover un petit peu. On a fait les qualifications étaient un petit peu aussi faites d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les maps, c'est pareil, on fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a essayé de prendre une map de chaque team. Pas toujours les mêmes. Voilà quoi. Donc on essaie d'innover et puis on verra bien ce qui se passe. Il y a toujours des petits râleurs qui sont pas contents, mais bon. Ça, c'est dans toutes les compétitions. Voilà, c'est dans, partout pareil. Mais bon, la compète au moins est. Mais bon, pour l'instant, on est content, ça a l'air de bien démarrer. Au moins, la compète innove et. Oula! 3 DMK aux avant-postes. Il permet de voir un des. David, Spain, Tico. Bien joué, Tico. Epsi qui vient de nous faire une petite voltige. Et DMK qui mène, on n'a pas vu le score, mais il mène 3-2. 3-2. Oui, tout. Les DMK ? Les DMK 3-0. 3-2. 3-0. 3-0, ils mènent. Pardon. Oui, oui. Ils ont gagné combien ? 7-2 à la première ? 7-1. 7-1, mais ils ont gagné. C'est un... Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, il y a une bonne équipe. Voilà, là, ça fait Les prochains matchs vont être, vont être plus hard. Ouais. Donc là, pour l'instant, les speeds sont de notre niveau. On savait que ces deux équipes-là seraient. Seraient équivalentes. Mais enfin, on va se battre. Les speeds aussi vont se battre. On va rien lâcher. On fera de cadeau à personne. Epsilon qui monte le bout de son nez, qui est premier. Suivi par Étoile. Kakaro qui vient de chuter. Étoile qui reprend les devants. David qui va essayer de prendre l'intérieur. David qui prend bien l'intérieur. Voilà, David Epsilon. Normalement ça fait un doublé. Pas touché. C'est bon. C'est bien. Espagne qui arrive 5ème pour prendre les points qu'il faut. Tefux qui a un petit peu en retrait, il ne prend qu'un point. Pour l'instant, le score est de 10-2, donc les DMK vont gagner ce match. Maintenant, il faut assurer le goal average. 10-1, tu veux à tout prix donner 2 points aussi. 10-2. Première map, gagner 7-1. Et là, il y a 4-0. Donc là, il faut assurer le goal average maintenant et essayer de prendre beaucoup de points dès le début. Pour se détacher un petit peu. Très très bonne équipe, très grosse impression de cette équipe là. Honnêtement, on a beau perdre tous nos bons pilotes, on arrive toujours à récupérer et à rester soudé, et c'est ce qui fait notre force, je pense. Je pense aussi, oui. Tout le temps un petit groupe bien soudé qui avance ensemble, qui bosse bien ensemble. Ouais, ouais. De toute façon, c'est ce qu'il faut dans une équipe. On prend pas le jeu à la légère, on respecte les adversaires, mais on traîne sérieusement. J'adore le A de Max Payne, qui finit premier, suivi de David, d'Epsilon troisième. Et on verra tout à l'heure les scores des premiers matchs qui ont été joués. Ce vendredi et ce samedi, et les matchs qui vont venir dans la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Donc pour l'instant, 5-0, voilà. Hein. Et puis alors là, il y a 4 DMK devant. David toujours là, bien sûr. Ah. Et voilà. Ah, il a touché, dommage. Dommage. Reed était bien remonté, mais il a touché. On a David Epsilon qui font la course en tête. Ils vont essayer d'assurer cette fin de map. Pour amener le sixième point. David Epsilon, Spain, Tico derrière. Il y a Étoile qui lâche rien. On va voir ce qui va se passer à la fin. Max Payne qui revient. Et ben voilà. Voilà, 3 DMK devant. Triplé. Spain, David et Psy. Et Fuchs commence à lâcher prise. C'est dommage, ça fait deux fois qu'il finit dans les profondeurs alors qu'il s'est tenu en tête tout le long. Là, on va assister peut-être au dernier run de ce match. On va voir ce qui va se passer, tout peut jouer encore. Un petit point grappillé. Oups. Epsilon qui a touché un petit peu. Reed qui est devant avec David et Spain. Suivi de Tico et Kayfux hein, qui revient. Kayfux il prend plus intérieur que Tico. Tico qui aura fait un bon round là.
Spain qui a touché, voilà, avec son truc d'aller chercher à gauche. Pas bien compris. Et là, je pense que... ...7-9, c'est quand même un point pour les rouges. Hein. Et ben voilà... Voilà, c'est fini. Le match est terminé. C'est très rapide comme rencontre. 7 points de map. Ça prend pas trop de temps. Donc, score final 14-2. J'ai fait dire. Je vais pourquoi dire 2 14-1. Oh, purée. Tu m'as tout prix donné 2 points. Oh là là. Donc, 14-1. Jolie victoire des DMK. Facile. Ça n'a pas duré trop longtemps. Un petit quart d'heure. 20 minutes. Ouais. Voilà, voilà, jolie petite victoire. Jolie petite victoire. C'est bien joué tout ça. On est content de nos DMK. Oui, bien, bien, bien. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour ce match-là. Victoire tranquille. Donc on va sûrement vous donner rendez-vous tout à l'heure pour un autre petit match à 21h, on va voir ce qu'on pourra streamer. Donc, Je pense que d'aller streamer un petit match qui promet là, ça serait, s'il n'est pas déjà streamé par quelqu'un, ça serait les ATM contre les APM. En Ligue 2 ? Je crois, oui. Normalement c'est la Ligue 2, ouais. Ah, il faut rappeler que la compétition est sous forme de ligue, donc là c'est un match de Ligue 1. Match de Ligue 1, oui. Voilà. Donc on va aller donc voir on... ça. On reprend ça tout à l'heure ? Ouais, on reprend ça tout à l'heure. On a une petite coupure ? Ouais. Allez, coupons. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure tous.